la chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branché sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Autopsie New Look, les causes et conséquences et les résolutions. C'est bien moi, votre servante, Rogatienne Kapema. Je tiens à remercier notre grande chaîne, diascongo.com, ainsi que le grand Wabasson, qui nous permet de diffuser, d'envoyer nos messages. Comme j'ai l'habitude de dire, nous avons pour rôle de former, éduquer, informer. Je reçois au sein de mon plateau un homme qui est un homme d'église, fils biologique de Madeleine Sekela et de Chibangu est fils spirituel d'un des hommes éminents qui n'a non seulement touché la République démocratique du Congo, mais on a parlé de lui en Afrique, on a parlé de lui à travers le monde, un homme de miracle, un homme de puissance tel que le musée Haïdi Nabala qu'on ne représente plus. Aujourd'hui, au fait, je suis en train d'inviter cet homme de Dieu qui va nous parler d'une vision que Dieu a donnée à un éminent homme de Dieu que moi j'appelle prophète des nations, que Dieu utilise puissamment en miracle et en signe. Mais avant d'entrer, je tiens à vous saluer. Bonjour, évêque. Merci beaucoup, maman prophétesse. En tout cas, je tiens à te remercier de ta présence au sein de notre émission Autopsie New Look, parce que je sais que tu es un homme qui a des multiples occupations, non seulement dans le cadre du corps du Christ, mais des activités aussi personnelles. Et aujourd'hui, tu viens de nous parler d'une vision qui vraiment va toucher donc notre génération, la planète même, disons. Donc, je ne vais pas seulement me limiter au niveau de la République démocratique du Congo. Je voudrais savoir, c'est de quelle vision, en fait? Oh, je suis très heureux d'être là dans ce plateau de Dias Congo et surtout sur votre invitation. C'est un grand plaisir, énorme plaisir. Je n'aimerais pas parler de moi-même. Vous m'avez présenté comme fils d'Haïdi Nabala, gloire à Dieu. On a fait le travail à gauche, à droite, à travers les continents. Mais j'aimerais parler de quelque chose qui m'a touché, qui, dans mon parcours ministériel, n'avait jamais été vécu. C'est de cette nouvelle vision qui est de Nehema Ministries. Nema Sikatenda Ministries. Nema j'ai embrassé cette vision, je me suis dit, waouh, Dieu continue à faire encore des grandes choses avec ses enfants. J'aimerais vous dire, maman prophétesse, que depuis quelques années, humbles années que nous avons passées avec le Seigneur, je n'avais jamais vécu cela. Dans ces pays, ici en Belgique, nous avons fait défiler presque tous les grands noms de l'Évangile, allant de l'archibishop d'Ankam de Nigeria, l'archibishop d'Ayo, celui de Ghana, qui est Duncan William. Nous les avons fait défiler ici à Bruxelles. D'un autre côté, on a vu atterrir dans la même nation Benin Ministries. On a vu des ministères et des ministères, Jimmy Swaggart Ministries. N'en parle même pas à ce qui concerne nos frères congolais. Mais je n'avais jamais vu cela. Nema Ministries aujourd'hui est une méga vision, une vision au-delà des continents. Parmi tous ces gens que nous avons reçus dans cette nation, je n'avais jamais vu un prédicateur qui est venu pour soutenir les autres. Au contraire, quand ils viennent, ils nous imposent de leur prendre 5 étoiles d'hôtel. Ils nous imposent de prendre des grandes salles d'à peu près 2000 à 3000 personnes. N'oublions pas que les premières réunions ici en Belgique qui ont fait 2000 personnes, c'est nous qui avons organisé cela en 1997 avec les prédicateurs Ayo. Et quand ils viennent, après, c'est les offrandes qu'ils remportent avec eux. Mais Nema Ministries est prêt à mettre au service de l'Église au milieu des chrétiens son apport non seulement spirituel mais aussi financier.
ils viennent avec les rapports pour soutenir les ministères. Nema Ministries est basé sur trois dimensions. Oui. Ils cherchent l'unité des églises. Regardez dans cette nation aujourd'hui, tout est en train de se mettre ensemble. Batunius Basu se met ensemble. Les banques se mettent ensemble. Les pays européens se mettent ensemble. Tout le monde a insisté que Brexit est à la terre, c'est-à-dire que Grande-Bretagne est maintenant à l'Union européenne. Salinius Basu, Grèce, Longuate, Espagne, ça l'a toujours dans Kati. Et même ma ministrice vient pour regrouper les ministères dans l'unité, dans les corps de Christ. Ça, je n'avais jamais vu. Non seulement qu'au Batoubaz, il y a une union, mais à l'ingi, le sous-soukat, il y a une ministrice qui est chapeautée par le prophète Nema, prophète des nations. Balingi, Alingi, dans sa grande vision, dans cette grande vision, qu'on reconnaître ma grâce, c'est-à-dire que tant qu'Ayenet Nakat Nambokamoko, il y a un prédicateur qui a sa grâce, Dieu l'utilise d'une façon ou d'une autre, qu'on soit moutouyande, on a qu'on bimisaye. Pour nous appeler à niveau national ou international, donc le soutenir, lui donner un coup de pouce. Et à part qu'on reconnaître ma grâce, qu'on relève ma grâce, qu'on soutenir ma prédicateur, ma église ou les alliés dans la tempête, dans les problèmes, difficultés, qu'on soutenir ma église. Et d'un autre côté, dans la troisième dimension, et admet ma ministrise, dans la grande vision, il veut menacer la pauvreté qui est en train de sévir dans nos églises. Tous en Belgique, à la Belgique, Belé Futakaba Loyete, Belgique, Belé, Bazo Bengena Bango, à gauche, à droite, pour chasser à gauche, à droite, non seulement en Belgique, mais même en Afrique. Il veut soutenir cela, donc c'est une vision qui est un challenge, véritable challenge pour cette génération, parce qu'il faut qu'on s'attaque à la pauvreté et qu'on ait une église. Et ça, je n'avais jamais vu cela. Dans d'autres visions, c'est ça. Même dans d'autres visions, dans le ministère, Missou Baya ou jamais Bassala. Basala yango jamais. Et tout le monde a dit que dans le mois d'avril, Nema Ministries a organisé la première conférence où il va couper sa dîner au moins gratuit à 100 pasteurs. Dans le mois de mai, ça sera le 8 mai. Au moins 100 pasteurs seront nourris, peut-être logés, peut-être aussi dans un grand hôtel 5 étoiles là où était ce président. Non, mais c'est des choses qui n'avaient jamais été faites. La salle, tant que toujours ça va grande réunion autrefois, c'est nous-mêmes qui toujours suivi pendant qu'on foutait la salle. La réunion de ça en 1997, à l'époque, la pyramide, la salle nous coûtait par jour à peu près 300 000 francs belges, c'était en francs belges. On n'arrivait pas à payer. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a un ministre qui vient et qui dit, ne vous inquiétez même pas pendant qu'on foutait la WTC, ça sera payé. Oui, mais je voudrais un peu aller avec toi, ancien, dans le cadre plutôt d'homélie et ecclésiologique par rapport à la personne du prophète des nations, Jacques Nema Sikatenda. Bokese nini nomoni na kati ya modèle ya zomema ministère nae par rapport à d'autres. Parce que bisoto banga kate ko bengo ancien, vu qu'ozali une expérience, il y a l'esprit, il y a la connaissance aussi. Et puis tu es passé par une bonne école. Bon, les lots par rapport à la génération Nayo, la génération Moussousou, il y a peut-être une petite différence. Mais qu'est-ce qui te pousse les lots yo au s'accrocher Nayé, puis on dit moi se soumettre na kat y a Nema Sikatenda ministre, parce que la vision de Dieu la donne à une seule personne. C'est-à-dire que Yendazali porteur à vision wana. Ce que yo ndimi qu'on se soumettre Nayé, porteur à vision wana, au Azali président, y a Nema Sikatenda ministre. Donc quelle est la différence au moni na katine et na kat ya côté à Nayé ou bien na le lengi au salamusa na nzambe au côté ndayo yo ancien Kadima, Francis Chibangu, on dit qu'on se soumettre. Au moment où Yezu Masi Ayaki avait trouvé Bato Bazors la Moussala dans Zambé. Mais tant que Ayaki, on a vu la différence. Et moi, je suis très étonné de voir que Jean-Baptiste, même qui a présenté Jésus, avait des disciples. Mais dès qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les disciples n'ont mis sous le longue, qui n'ont pas eu la Yezu Masi. Et ce que j'aimais dans le ministère de Nema Ministries, il faut dire qu'il y a quelques années, je pense que c'était en 2010 ou 2011, si je ne m'en abuse, où il m'a parlé de ça. Je pense que nous étions à Kinshasa avec le fils de Jimmy Soura. Il m'a dit, Nazo Lukana Sala Nema Ministries, il m'a relaté un peu les choses. Mais il a dit, c'est ce que j'ai apprécié, il a dit, je vais quand même prier pour voir quelle est la dimension de Nzambe à l'Inga Pesanga na Makamoru. Et là, qui est dans 2010, le 2016, donc là, il est temps de prier.
de demander la face de Dieu, de prier et d'avoir les mandats, les ainsi dit l'Éternel de Dieu, dont la vision a été mûrie pendant plus de 5 ou 6 ans. Donc, si moi j'ai accepté cette vision, c'est parce que d'abord, l'homme, il est effacé, il est très humble. Il est très, très humble. Il y a une grande ouverture chez lui. Par rapport à l'élévation, la dimension dont Dieu l'a placé, il n'a pas trop de protocoles pour pouvoir aller chez le prophète Néhémie. Il suffit tout simplement d'y aller. Et vraiment, l'ouverture est là. Il y a d'autres prédicateurs dans cette nation, au Nzambe, peut-être à Tomboli. Mais pour nous, il est plus facile au Kende de parler à Jésus que de parler à ses servants. Donc c'est mieux que tout que nous nous sommes belanzamen zambagoyo comme ceux qui n'ont pas bureau n'abandonnent tu vas faire du matin au soir. Oui. Et l'homme il est effacé, l'homme il est ouvert. Et l'homme, je vais te dire une chose qui est claire parce que tu sais que moi j'ai un franc parler. Exactement. Nakati tango tozoko la na nzambe malamu le ministère de Papa Sekatenda avait été présenté autrement. C'est-à-dire que les gens essaient de mettre ça un peu côté à moi, cataloguer en haut ou bien côté à moi temple mogwano zlagi. Merci parce que je voulais y aller donc tu viens tu réponds déjà. Ouais voilà. Donc nous tous tokola ki na makamo batiebso na mutuana a omoni bon faut dire que quand tu es dans l'église Nzambe Malamu et que Obimi, en tout cas, les choses ne sont pas toujours agréables, tu vois. On va présenter des choses dans une autre passerelle qui ne sera pas pour ton confort. Et c'était ça, en fait. Donc, Nakoli Nelokoana, depuis 1982, Nayoko Koutanana, prophète Néma, Nakansi, il y a 2009 ou 2010. Il nous a invités, place à la côté, à Awana Rievart, Tokendaki Wanangaina, prophète Mizi Antonio, à l'obi Bishop Tokendekuna, Tokendaki Tokendekuna. Dans Otokomi, moi je m'attendais à ce que pendant que prophète Néhé m'a prêché, Nagansaga Obimsamo Mouchoir Moura Abambabatu, toi Obimsamo Liseke, parce que c'est ce qu'on nous avait mis dans la tête. Mais j'ai vu la façon dont il élevait Jésus, à Tombola Yézou, dans la dimension Moko. Place nga na vanda na bon peut-être reza na ngo mate ya mena suka to mona kame mwa ta le kasa moko bo et to le titi to linyo kwa tembe na mona rien na mona elokote na mona kaka bible na ye na yezu ya teyaki et puis si matomimi en hôtel on est allé là-bas on a communié un peu ensemble on a parlé et tout ça c'est encore pas grave je suis allé à Kinshasa to ke na mona Jimmy Swagger en tout cas na moni bonzambe na moni makamuno so to za yo kwa yo kwa na te et puis to yo ko ende na Angola église ya munene et puis ezota musama na doctrine chrétienne ya Yezu Masia. J'ai compris que nakat na bande de africains, les gens parlent pour parler. Alors quand j'ai vu tous ces paramètres, j'ai vu l'homme effacé, l'homme très ouvert et l'homme très abordable. Je me suis dit, mais s'il a une grande vision, si c'est pour la gloire du nom de Jésus, pourquoi je vais dire non? C'est ainsi que j'ai adhéré. Je n'ai pas adhéré à 30 ou 40%. J'ai adhéré vraiment entièrement dans cette vision. J'aime la vision. Je soutiens la vision et j'ai fait appel aux autres prédicateurs. Baya Bakota, Nakati, Avisionna, c'est nous qui serons bénéficiaires. Oui.
Et psycho yo na minute yo parce que où tu colobé la milulu ya nema sikaté na ministre yo ko sale mana hôtel président na date ya le 6 et le 7 mai 2016. Quel est le message que tu peux envoyer aux autres prédicateurs dont hommes et femmes de Dieu à travers les robes pobaya balanda milulu wanza parce qu'il y aura beaucoup d'orateurs surprises qui viendront d'un peu partout dans le monde donc bakoutaka Afrique bakoutaka na continent Amérique bakoutaka Europe. Donc, en tout cas, vous serez gâtés ce jour-là. Quel est le message? Et l'ONU routine de la Bango pour vous motiver. Bayato Sangana, Poto Solola. Appelle les alliés que nous savons que Baya Bamona vient voir et puis Bako Sepelana Makamno se roule cas. Parce que là, on parle d'unité. Au moment où Tayos Massi attend sa prière sacerdotale à l'obi, le lenga na yo toza bomoko, bango pe batika la bomoko. Tel que ngai na yo papa toza na bomoko bato yo pe na zoti kabaye bandimi ba disciple batika la pe na bomoko. Donc nous devons nous unir, mes chers amis. Er ya ko travailler ka en singleton, ko travailler en électron libre, c'est l'équipe. Nous devons nous unir, surtout si c'est pour la cause de Jésus. Bon, le coup mon Yesu Masia, il faut tous unir. Ba américain ba ko ya ko unir bisote. La preuve c'est que tant bazoya, je vais m'excuser les termes. Nabane quelconque to benga moko na ba mérien hôtel na mboko a komela sur mon canal obi na koyate parce que la Belgique est le champ missionnaire au monde les plus nécessités, les plus durs. D'ailleurs, je vous encourage bino wat bondimi appel kuna, c'est vraiment à titre de sacrifice. Le lotang ba komi koya ceux qui baya baye ba soutenir ka pe église mon côté. Ba soutenir ka église à ta mon côté. Ba soutenir ka pe ministère à ta mon côté. Nous avons Baton Zambatomboli. Et dans cette génération, moi j'ai dit, le prophète Néhémie, c'est quelqu'un, c'est une figure emblématique de la génération. Ma vision Zambapessie, Atali, Tekeye, Moukwa bénéficier, mais le fait, Oyoye, Zoalobaki, Alobi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, na élévation Zambazomemaye, na dimension Moussalon Zambazomemaye, Alingi, Batonio soupe ou bazana posa. Baya, toi avancer ensemble. Ce n'est pas pour dominer sur les gens, non. Mais pour les permettre de pouvoir manifester l'éclat de la grâce que Dieu a mis en eux. Donc, l'appel est donné à tous. Venez expérimenter cela. Et vous allez voir que Dieu est bon. Parce qu'il y a une division américaine, tout européen. Pourquoi est-ce que ça l'a mis salité? Et Dieu est allé prendre quelqu'un qui l'a pris vraiment là, à la bergerie. Nenga Zora David, à Mémie, à Lobi Yaka, Tamolana Bandekonayo, Bokende et Longo vers le royaume des seigneurs, le royaume des cieux. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup, ancien Francis Kadima. Donc, le Lengue, ancien Outukoloba, donc la Bandeko Bazak, Olandabus, Sobipay, Nabipay. Parce que nous pouvons être en Europe, mais ce n'est pas dans tous les pays où on parle français. Mais nous avons dit que nous avons ndenge mumbu na nkola uti koloba esengeli o viendre o ya o mona potoko betali solo. Mais quand tu entres dans quelque chose, on arrive facilement à juger et loko pe akondima et loko soko moni yango pe o comprendre vision yango. Donc nous, en tout cas, nous invitons, comme nous venons de le dire tout à l'heure, en la date du 6 et 7 mai 2016 à l'hôtel président, donc la référence il y a gare du nord toya ebele. Vous aurez aussi des invitations particulières, donc nous bénissons Dieu déjà pour l'apport que la pastorale congolaise européenne au Epesibiso et puis différentes pastorales où elles ont établi à travers l'Europe au Bandimi pensa ba soutenir vision au Amunene donc aux zones di mabapport nyonso ezala na kati ya partenariat ezala na kati ya adhésion na kati ya nemasikatenda ministry. Et à titre d'information, donc nzamba Epesibiso pe support mususu na kati ya monde audiovisuel où ezali chaîne moko typiquement chrétienne, où ils allaient à l'apologie à Christ, ils allaient Nema TV et Nema Radio, pour n'abord, bah, l'obaka lokota ya kiswahil, bah, qu'on comprenne que Nema lingo l'obangolou. Le mot Nema voudrait dire grâce. À travers cette chaîne-là, c'est une chaîne, un support que Dieu nous donne, pour totaliser sa penza ngolou, na bolingo nanzambe, qu'on arrive à arracher les âmes à la mort et les amener à la vie, te bape quoi, menuir ngouya, y a puissance des ténèbres, na kadia monde, parce que, tobo sanate que moussa l'onzamba pesibiso, ils allaient non seulement faire
faire l'apologie du nom de Jésus-Christ, mais tome ma tolongo la batuna molili, tola kisabango pole na nzambe. Donc venons, unissons-nous, tel que vient de le dire le bishop Francis Kadima, tozala na bomoko. Vraiment, Nema TV Radio, ezali support moko nzamba pesibiso, donc c'est une donation. Onema sikatenda ministro a pesipo na corps du Christ. Donc tosangana eza une chaîne na tendance T. Je crois que la doctrine ezali ko unir bana na nzambe, ezali bâti en la personne de Jésus-Christ. Nous reconnaissons que Jésus est Dieu. Il s'est fait homme. Il est venu sur terre, il est mort. Le troisième jour, il est ressuscité et à l'instant, il est assis à la droite du Père. Yende mutazali ko kamba lingomba. Nous reconnaissons cela dans la doctrine chrétienne. Mais ma tendance ecclésiologique, eza ko kota na kati, ya musalo tozali ko salate. Donc, to sangana pena si ma chaîne na biso. En tout cas, ancien Kadima, je te tiens à te remercier vraiment pour la disponibilité. Nayo, na ebite, si tu as un petit mot de la fin, avant toi, bah, clôturer l'émission Nabiso. Merci. Le petit mot de la fin, Zaki, quand vous parlez de Nema télévision et de Nema radio, il faut pas comprendre que cette dimension est très internationale. Internationale même, plus que cela, parce que vous avez un câble, vous avez un TV5 ou bien RTB. Donc, vous avez sur câble et sur satellite. Donc, c'est vraiment des outils que Dieu a mis à notre disposition, que nous devons soutenir. Que nous devons soutenir et surtout que outils pas ya bande konabiso moko et qui sont ouverts, très ouverts et vraiment très abordables. Si j'ai un mot à dire et clôturer, c'est de vous dire que Nema Ministries est très ouvert, très abordable. Il n'y a pas trop de protocoles à remplir pour pouvoir atteindre la personne. En tout cas, je tiens à te remercier. Je remercie aussi notre chaîne diascongo.com qui nous a permis en tout cas de diffuser ce message qui est assez important. Je remercie comme d'habitude mon bien-aimé le grand Wabasso, j'ai l'habitude de l'appeler ainsi parce que c'est un perfectionniste aussi dans son travail et je sais qu'il sera aussi une bénédiction et un appui pour nous au sein de Nema TV. Nema TV, donc c'était votre servante Rogatienne Kapema, au sein de votre émission Autopsie New Look, comme j'ai l'habitude de le dire, les causes et conséquences, les résolutions. Merci à vous, au revoir et à la prochaine. Merci bien. Je suis un peu comme ça, 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 je suis